Vous serez donc chez Pouf Souffle. Bonsoir YouTube, on est dans un nouvel épisode du Let's Play d'Hogwarts Legacy et on commence tout de suite. Nous avons fait dans l'histoire, nous sommes toujours avec notre ami Poufsouffle. Il me semble que nous avons récupéré le livre et nous devons sortir. Non, ah oui. Nous avons l'énigme ici, qu'il faudrait qu'on sache comment le faire. Bon, ça, si. Revelio. J'ai des boules qui traînent. Ah, ok. Action. Je les avais mis, ceux-là, non? Non, ils comptent pas. Ok. Donc, ça, on va finir cette épreuve. Ah là 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 là. On avait tué tous les méchants gobelins qui étaient dans le coin. Il suffit maintenant de trouver. Action. Revelio. Ah, ils sont là, les boules. Action. Incendio. Action. Voilà. Réglé. Un truc de malin de fait, en plus. On a trouvé le beau là. Donc là, les quêtes, c'était quoi qu'on devait faire? Ça donne un peu plus d'équipement, ça c'est fun. Quête. Ah, j'espère que c'est fait. On va aller rendre les chariots dans ce cas-là. Ouais, j'ai fait de l'exploration là. Bon, les points des fois là, c'est bien. Donc voilà. On va se balader un petit peu avant d'aller chercher et rendre la quête. Rebellion. Et ça va être ici, on va prendre notre temps. On va faire un peu d'exploration. Revelio. Prosecco. Incendio. Ah, il m'a touché pour moi. Passez où l'autre loup.
Alors, on va le maintenir en l'air, c'est marre de même aussi faire. Rebellion. Ok, il y a des trucs à faire aussi. Oh, voilà une agréable surprise. C'est agréable, merci. Incendio. Action. Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ça peut être dangereux là. Qu'est-ce qu'il va les faire? Une bêtise, c'était pas ça? Ok. Bonjour monsieur, vous. Je veux dire que là-dedans il n'y a rien, là, même pas un parchemin qui traîne. C'est très décevant. Hein. On a compris qu'on pouvait ne pas juste faire action sur eux. Et d'ailleurs, c'est là qui est plus fini. On va prendre le truc là. Venez, jeune homme. Bonne nouvelle, Arne. Oui. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. Rien. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Welcome. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières. Depuis des années, et tout s'est toujours très bien passé. Parce que nous sommes. La prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Oh, avec plaisir. Battez-moi des muscles. Mettez-moi dans mon plus bel appareil. Mes assets. Sois voyant, surtout ma pas grosse baguette. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. You're welcome. Donc ça c'est fait, donc on va aller retourner à Poudlard. Sérieusement là, tu fais du ricochet avec... J'ai gagné quoi en inventaire? Collection, j'ai gagné quoi? Combat. On a le truc de la marche, c'est... intéressant. Du coup, ma collection monte.
La marche, c'est... Je peux me mettre la marche, c'est... Happy New! Allez, on va avancer dans les quêtes. On va prendre Expelliarmus, on va prendre Expelliarmus. Bien vendu. Et tant de poulain, merci. Hey. Sortilège, on y va. Après, je prendrai un peu de temps pour vraiment explorer Poudlard et prendre tout ce qui manque. Il y a une quête ici. Hey, tu peux m'aider? Bonjour. Tu voulais me parler? Oui. Alors, pouf souffle. Je me disais qu'en tant que pauvre souffle, tu aurais peut-être la persévérance nécessaire pour me suivre dans une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil? Ah, intéressant. Suivre une carte au trésor de Poudlard? J'en suis. Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Welcome. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens-moi. J'aime le trésor, j'aime les loot. Ah, quand même, faut descendre. Ici, escalier. La carte, tu sais pas ce que je cherchais. Moi, je voulais aller. Bon, on va faire cette quête alors. Alors. Vénéros. On va chercher le Vénéros. Et juste en bas ici. On va le faire vite fait cette quête, elle est pas très longue. Le rhinocéros c'est dans ce coin là. C'est pas là. Il y a une quête ici. Ah, c'est les 4. Je me donne à mes 4. C'est pour ça que j'oublie de faire cette quête là aussi. Voilà, j'ai trouvé le rhinocéros. Ah, un squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Ensuite. On dirait que je vais trouver une fontaine de dragons. Je vais t'expliquer. Si tu sais pas lire les devenir les images, il y a le truc suffit, on dirait. Largement. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les... Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. Y a quoi ici? Revelio. Attends. Action. C'est l'une des boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Alors il y avait ça. Après la. Ah c'est une des boules. J'en ai qu'une. Voilà, ton numéro repère sur la carte après. La... avoir quitté le chien qui monte. Ok. Un escalier qui monte après avoir passé, la... passé les trucs. C'est de ce côté. Ah, pardon. Les clés du dédale sont de retour. Elles sont incroyables. Les clés de quoi? Tu es sûr que tout va bien? Oui. Désolée, je suis juste. Je m'appelle Nelly, au fait. Je suis juste vraiment contente que les clés du dédale soient de retour. Les clés du quoi? Et les clés du dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. Non. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Moll, les a conjurées pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées, il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés, et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Ok.
Et pourquoi je ferais ça? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Le loot, mec, si le loot. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, bah, les Griffondor, tu trouveras peut-être une récompense. Des cupides. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. Je me change pas de quête. Hein. Ouais, j'espère au moins que tu suivras quelque... Non, je n'ai pas changé de quête, moi. Caché dans le château. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Cet escalier me semble prometteur. Ok, pas l'escalier qui monte, c'est quoi? Il y a dit c'est vacant d'avoir sur la tête d'un anneau. Revelio. Ah. C'est un proche, mais c'est quoi? Caché quelque part. Attendez. Là, faut que je change un peu mes sorts. Bon, là, c'est pas la même chose, mes sorts. Lumos. Ok. On va ici. On dirait le portrait de la carte. Mais où peut bien se cacher le trésor? Revelio. Action. Ah ah. Aha. Il y avait un passage caché derrière le portrait. I know it. Je me demande ce qu'ont donné les recherches. Une forme d'historien historique. Revelio. Authentique. Bon, ça c'est fait. On va aller chercher la quête. Là, c'est pas... Il y a un truc qui bouge là. Il y a un truc qui bouge là. Revelio. Ça, des petits quêtes annexes en même temps. Petit chargement. Rechargement. Je me demandais si tu pouvais m'aider pour un peu... Prenons toutes les quêtes pendant qu'il y est. Il paraît que tu voulais me parler. Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. Comment m'entends parler de moi? T'as vu mon look? C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas... Tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu veux tuer quelqu'un? Non, non, l'autre jour, on a pu pousser les épouvantards avec le professeur Ekat et le mien a pris la forme d'un boursouf. Ok. Ils sont adorables. Pourquoi avoir peur d'un boursouf? Ils ont l'air adorables, jusqu'à ce qu'ils te fourrent leur langue dans la narine. Ouais, bah là, c'est des expériences sexuelles que tu fais, là, mon garçon. Ma ouais, réputation ouais. Commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. Attention. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, il a cherché de quoi pour toi là-bas? Le couloir que plus personne n'ose y entrer.
Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature. Ouais. Bon, pourquoi pas. Je prends les quêtes, ça me fait de l'expérience. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Ah. Bon, une quête en plus, mais ça, je sais pas laquelle que j'ai envie de faire. Quête, il y en a 10 minutes. Bon, c'est ça que je voulais faire, en vrai. Et j'ai du vêtement là. Il faut que j'aille voir qu'est-ce que ça donne. Ce truc. Bon, après ça donne rien, c'est juste un. Une collection à mettre, un skin. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Et je vais vraiment faire le cours pour Expelliarmus. Expulse Lanos. Ah, il est plus là, lui. Je voulais te rendre ta quête, mec. Revelio. Levioso. Et okay. 19 sur 25. Ok. Donc, plus que 6. Revelio. Oui, mais pratique le guide. Est-ce que c'est possible? Revelio. Une clé du dédale. Je me demande où elle va me mener. La dédalée. Ah, il y a du bleu là, je pense. Voilà le meuble. Ah, faut taper. Jim. Comme ça. Ah, c'est ta place, Teddy. Bouge pas. Raté. Voilà. Et voilà. Ah non, un emblème de poussière. Yes. Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Alors, je suis là, je vais aller au mon cou. Tu peux le voir ici. Qu'est-ce que vous mijotez? Ragout. La bave de crapaud et tout. Tout le mélange, j'aime. Tout le mélange. Il y a quelques élèves. Revelio. Incendio. Non, c'est Lumos. Lumos. Incendio, c'était Lumos. Désolé. Revelio. Et de quoi il y a papillon dans le coin? Peut-être très loin. Incendio, Lumos. Moi, papillon, on va descendre, ensuite on va redescendre par ici pour voir qu'est-ce qu'il y a. Oh, papillon, hein, papillon, hein. Cette petite VOD, tranquille, avec beaucoup d'exploration. Plus que 5, on rate fait. Je sais où il y en a, on sait qu'on a raté une. Si loin que ça. Revelio. Et
télescope d'astronomie. Ce télescope est le meilleur instrument du marché pour observer le ciel. Il est idéal pour admirer la lune, les étoiles. Plus que 4. Achève. Bientôt, on finira ce qu'il y a. C'est quoi là en dessous? Il n'y a pas voulu que je triche. Revelio. Ah, en fait, bon. J'irai quand j'aurai un balai. Je vais aller au cours, hein. Ouais, voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chemise. On va quand même faire le cours un peu, ça serait bien. Attends, j'ai quoi dans l'inventaire? Voyez, c'est tout ce que je sais pas faire. Et... ouais, c'est ce qu'il faut, ça. Là, moi, je vais aller car. La clé du dalle, alors attends. Je vais aller. On va décaler ce que je fais. C'est bon, ça, on va prendre Expelliarmus. Et non, prof. On a pas des coups. Padada. Bombarda. Check le personnage principal. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai dit. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Oui. Écoutez, prenez-moi. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Bah, c'est sûr que s'ils n'ont plus de baguette, c'est fini. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Expelliarmus. Expelsanus. Beau travail. Le mannequin. Vous souhaitez rester vous entraîner. Revelio. Expelliarmus. Vous avez l'air de progresser. Action. Mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus, vous aurez vous sauvé la vie. Revelio. Ok. Donc ça c'est fait, on peut aller chercher d'autres quêtes. Du coup pour YouTube, je vais arrêter la vidéo là pour vous. Donc, ça va être un peu plus court, un petit peu d'exploration. Il y a un petit cours de force et du bien et du mal. Pour Twitch, on continue encore un petit peu. Et on... je vous dis à la prochaine.